De la transition énergétique, au vu notamment des problématiques de sécurisation des approvisionnements et des objectifs cruciaux du développement durable. Je ne m'attarderai pas sur la définition de la régulation, et encore moins sur le rôle de plus en plus central des régulateurs, surtout en présence d'une organisation régionale qui regroupe 27 professionnels méditerranéens et experts de la régulation. Mais je profite toutefois de l'occasion pour partager avec vous quelques réflexions à approfondir durant nos sessions. Tout d'abord, quel devrait être le rôle du régulateur? Dans les périodes de rupture, à l'instar de celles que nous vivons aujourd'hui, avec une triple crise sanitaire, économique, mais aussi énergétique et géopolitique, similaire aux périodes de rupture de 1973, 1979 ou encore 2008. Dans l'adaptation, quel devrait être le rôle du régulateur dans l'adaptation des stratégies énergétiques et développement durable pour assurer une plus grande résilience du secteur? Quel prix mettrez-vous, mesdames et messieurs les régulateurs, sur la résilience? Au Maroc, nous avons un choix politique volontariste qui a été fait au plus haut niveau par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour une stratégie énergétique ambitieuse, fondée, comme vous le savez, essentiellement sur les énergies renouvelables, mais pas que. Elle est également fondée sur l'efficacité énergétique, l'efficacité pour la consommation et l'efficacité dans la production d'énergie, mais également sur l'intégration régionale. Cette stratégie est plus pertinente que jamais. Et nous l'articulons déjà autour de trois objectifs: la durabilité, la flexibilité et la compétitivité. En effet, nous voulons tous aujourd'hui le kilowattheure le plus compétitif et le plus sobre en carbone. Comment concilier alors compétitivité et engagement climatique? Quel prix voulez-vous mettre, mesdames et messieurs les régulateurs, sur la durabilité au sens large du terme? En 2022, les gouvernements doivent répondre aux objectifs des 30 prochaines années tout en soutenant leur population à finir le mois. Quel que soit le modèle de régulation que vous choisirez, par les prix ou par les marges, la régulation devrait pousser à plus d'intégration des marchés, et plus d'optimisation des marchés. Et pour finir, mesdames et messieurs les régulateurs, je citerai Fernand Braudel, un grand historien spécialiste de la Méditerranée, cette mer qui nous réunit aujourd'hui. Chaque catastrophe qui frappe l'humanité est une mise en demeure pour penser ou mieux repenser l'univers. Donc en un mot, chers régulateurs, ne vous contentez pas de nous envoyer des mises en demeure, aidez-nous à repenser notre monde. Merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.